La nouvelle est donc tombée dans la matinée. Une patiente est actuellement traitée à l'hôpital universitaire d'Anvers. Elle a été confirmée positive au coronavirus. C'est le deuxième cas déclaré en Belgique. Selon tous les spécialistes, d'autres devraient suivre dans les heures et les jours qui viennent. Didier Mukwege, Aurélie Fauclé. La patiente s'est présentée à l'hôpital hier soir via le service des urgences. À son arrivée, elle se plaint de maux de gorge, fièvre, difficultés respiratoires, des symptômes du coronavirus. Comme elle revient du nord de la France, où il y a déjà des cas, les médecins décident de faire des tests. La première examination est faite dans notre laboratoire et hier soir, il s'est avéré que le test était positif. Alors on a immédiatement, comme la procédure le prévoit, envoyé la deuxième culture vers le labo de référence à Louvain de professeur Varens. Et cette nuit, il s'est avéré que le deuxième test était aussi positif. Depuis, la patiente est isolée dans l'hôpital et surtout soignée. Selon ses médecins, son état est stable. Pour le moment, et on espère que ça reste comme ça, elle se retrouve dans une assez bonne santé. Bien entendu, elle a quelques symptômes, sinon elle n'aura pas été chez nous. Mais à part de ça, elle est dans un état de santé favorable, quoi. Reste qu'avec ce nouveau cas, le coronavirus est donc bien présent en Belgique. Ce matin, les autorités ont fait le point sur la situation. Le pays est passé en phase 2. Phase 2 veut dire que le virus est ici, qu'on a un patient, ça, et qu'il faut éviter que le virus puisse se propager. Et voilà, c'est pour ça qu'on prend des mesures. Et la VIC en Wallonie et l'agence en Flandre sont en train de voir avec qui la patiente a été en contact les derniers jours. Isoler les malades, retrouver, voire tester les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts proches. Pour l'instant, la Belgique s'en tient à ce dispositif. Cela a été confirmé lors d'une réunion du gouvernement cet après-midi. Pas question de mesures disproportionnées. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir une sorte de réaction qui va trop loin pour l'instant, mais il faut certainement se préparer. Les ministres ont donc envisagé les mesures à prendre si la situation s'aggrave, car c'est sûr, il y aura d'autres cas en Belgique. On a un patient, on peut s'attendre à en avoir plus, hein, comme aux Pays-Bas, comme en France. J'espère pas comme en Italie, mais même si c'est comme en Italie, on est prêt à traiter les patients. La concertation avec les régions et les acteurs de terrain sera aussi renforcée. Pour le reste, le gouvernement continue d'appeler tout le monde au calme. Et on va rejoindre à l'hôpital universitaire d'Anvers, Tidiem Kouache. C'est l'un des deux hôpitaux de référence pour le coronavirus en Belgique. Tidiem, un dispositif spécial y a été mis en place. Oui, Laurent, c'est toute une aile qui a été créée, mise en place pour traiter et soigner les personnes contaminées par le coronavirus. L'hôpital universitaire d'Anvers a affiché partout sur le site des flèches pour indiquer où se trouvait cette unité pour isoler le plus rapidement possible les cas suspects et pratiquer les tests. Et s'ils s'avèrent positifs, confiner au plus vite ces personnes. Toutes ces mesures de prévention sont prises pour éviter que ces personnes qui pourraient être porteuses du virus ne contaminent par exemple toute une salle d'attente des urgences. L'hôpital a même aménagé et médicalisé plusieurs dizaines de containers pour accueillir et mettre en quarantaine des patients contaminés. Les équipes médicales se sont préparées depuis plusieurs semaines à ces premiers cas de coronavirus dans le pays. Et elles le savent, avec la fin des vacances de carnaval et le retour des Belges de vacances, eh bien, il va encore y avoir des cas positifs dans les jours et les semaines à venir. Et puis, une recommandation à vous donner. Si vous êtes inquiet ou que vous suspectez d'être infecté par le coronavirus, appelez plutôt votre médecin généraliste que de venir dans les urgences des hôpitaux qui risquent d'être débordés.